You know that stuff about pink elephants? That's the bunk. It's little animals. Little tiny turkeys and straw hats. Midget monkeys coming through the keyholes. Has to be dark, though. It's like the doctor was just telling me. Delirium is a disease of the night. Good night. Delirium is a disease of the night. Thank you.
Désolé, j'ai oublié de mettre mute. Alors, je me fais pogner. Effectivement, encore, ça fait c'est la deuxième fois, je vais finir par m'habituer. Désolé. Donc, ce que je disais, bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, du moins au Québec, je sais qu'il y a des gens de la France qui me regardent, là. Au Québec, il fait très beau, très chaud, très humide. On a eu une nuit d'été, nuit de canicule pratiquement, là. Donc aujourd'hui, par contre, c'est un petit peu plus gris, mais très humide encore. Merci encore d'être présent une fois à tous. Merci à ceux et celles aussi qui nous écoutent en rediffusion. Vous avez été encore plusieurs à écouter en rediffusion. Donc, j'ai une nouvelle d'ailleurs sur ça. Ce que je faisais en fait pour garder les rediffusions, j'utilisais le système de Twitch qui permet juste malheureusement de garder 14 jours. Alors, ce que j'ai fait, j'ai sorti les émissions de Twitch, je les ai envoyées sur YouTube. Donc, j'ai un canal YouTube uniquement pour archiver les épisodes. Donc, si vous voulez écouter les épisodes précédents, vous allez pouvoir le faire maintenant en dehors du 14 jours que Twitch conservait le vidéo. Donc, je vous montre ça à l'instant. De quoi ça a l'air, et j'ai fait des petites affaires le fun. Donc, vous avez le lien YouTube ici que je vais immédiatement coller dans le chat, juste ici. Vous allez pouvoir le consulter. Donc, c'est les deux vidéos, les deux premières vidéos épisodes que j'ai fait en fait. Est-ce que j'ai fait de le fun? On va cliquer sur le premier ici. Je vais juste faire pause. Donc, ce que j'ai fait, je pense de bien que vous allez aimer, c'est dans la description du vidéo. En fait, le dernier épisode, je mentionnais que peut-être que je regardais pour monter un site web pour donner l'information que je passe, centraliser l'information que je passe sur le site web. Finalement, je pense que je regardais YouTube. Fait que sur YouTube, vous avez le vidéo et vous avez tous les sujets qui ont été couverts pendant l'épisode avec les liens qui ont été distribués. Le seul petit pépin avec YouTube, c'est que on n'a pas les chats. Le texte du chat là, de Twitch. Je sais que des fois, il y en a qui passent, posent des questions, passent d'informations à cet endroit-là. C'est le seul petit à côté. Mais sinon, somme toute, j'ai tout mis l'information dans la vidéo ici. Et ce qui est le fun aussi, vous savez, au début, je mets de la petite musique généralement techno. Donc, si vous voulez la passer, cette musique-là, là, pour écouter, ici, j'ai mis le début du vidéo. Vous faites seulement cliquer sur une 14 et ça va vous emmener directement au début de l'émission sans avoir écouté la musique. Donc, j'ai fait ça pour la première épisode et bien sûr la deuxième épisode aussi, juste ici. Donc, même principe, donc avec les informations qui ont été communiquées. OK. Donc, je pense que ça se passe bien. Pas d'autres commentaires. Le son est bon. Excellent. Sinon, rappel en fait ce que j'ai dit au dernier épisode. Vous avez mon adresse email, mon adresse de courriel juste en haut de l'écran. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, si vous voulez voir des sujets traités pendant l'émission, allez-y, gênez-vous pas. Aussi, si l'heure vous convient, des diffusions en temps réel ou vous convient pas, peut-être faire des suggestions. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos suggestions, commentaires à mon courriel. D'ailleurs, sur ça, j'ai suivi sur des commentaires. Donc, premier commentaire, il y a des gens, une personne entre autres que j'apprécie beaucoup, en fait, qui m'a suggéré de démarrer un petit peu plus tard que midi pour laisser aux gens le temps d'aller chercher peut-être une crotte avant de commencer à me regarder. Donc, je trouvais l'idée bonne. Peut-être aussi de raccourcir l'émission un petit peu moins long à 45 minutes. Donc, je vais voir quel temps je vais faire aujourd'hui. Je mets même pas de limite à 45 minutes. En fait, j'ai du matériel à vous livrer aujourd'hui que je compte livrer parce que ça fait 3 semaines que j'essaie de livrer. Donc, le contenu, en fait, le contenu sur Réel 7.5. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de finir là, ce contenu-là pour qu'à la prochaine épisode, on passe sur un autre sujet finalement. Donc c'est ça. Et sinon, autre commentaire, ben, c'est pas vraiment un commentaire, c'est une correction que j'ai, une petite modification que j'ai faite au stream. Peut-être vous le voyez sur Twitch. J'ai augmenté la résolution de la caméra, tout simplement parce que quand je les transfère du côté YouTube, c'est assez brouillé. Donc, je vais voir si en augmentant la résolution, on a quelque chose de mieux. Donc, ça va être un test pour cet épisode-ci. Donc, sinon, avant d'embarquer dans les sujets, juste vous dire un petit peu sur quoi j'ai travaillé cette semaine. Donc, on a commencé la semaine avec engagement de service chez un de nos clients. Je peux malheureusement pas le nommer le client, c'est pas une référence publique encore. Donc, un engagement de service sur Ansible
for network, donc la portion network d'Ansible. Donc, on fait un déploiement assez important chez un client. Donc, on a une équipe assez importante aussi qui travaille avec le client. Donc, eux veulent gérer en fait load balancer F5 pour commencer avec Ansible Network. Tranquillement, pas vite, aller gérer aussi toutes les gears Cisco. Donc, ce qui est fun dans ce mandat-là, qu'on fait de très bien, c'est pas juste Ansible, en fait, c'est plusieurs produits. Donc, c'est Ansible Network, bien sûr, Tower, et on a rajouté aussi dans ce lot-là CloudFormation, qui va vraiment être le portail de service pour commander les différents items du load balancer ou des routeurs Cisco. Pas des routeurs, mais des switches Cisco, pardon. Donc, super projet qui est en cours en ce moment. Cette semaine, on faisait la portion Ansible. La semaine prochaine, c'est la portion CloudFormation. Donc, je donnerai des nouvelles à la fin du mandat, comment le tout s'est déroulé. Mais avec l'équipe qu'on a là, j'ai aucune inquiétude. Là, on est un des meilleurs architectes en ce moment qui travaille, Ansible, qui travaille avec ce client-là. Sinon, vous savez que cette semaine, c'était le premier workshop Ansible Windows qu'on a livré à Québec. Ça s'est bien passé, somme toute. Une soixantaine de personnes qui se sont présentées. Pour une première, c'était quand même beaucoup de monde. Tiens, je vous montre justement de quoi ça avait l'air lors du workshop. J'ai pris des petites photos, ça ne sera pas très long. Je vais juste les sortir. J'aurais dû les ouvrir avant. Donc, je vais aller vous montrer ça sur le bureau. Juste ici. Donc, merci aux photographes. Je crois qu'il y a des photos prises par Eric, par Marcos, dans ce courrier, dans ce sur ces photos-là, pardon. Donc, juste voir quand même assez impressionnant, voir la quantité de personnes qui écoutaient ce que j'avais à dire, ce qu'on avait à dire en fait sur Ansible pour Windows. Donc, ça s'est bien passé. On a eu des petites problématiques, des petits problèmes réseau. On aurait pu éviter si on avait pris le temps de le tester, évidemment, avant le workshop. Mais on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas. On a eu des problèmes avec les connexions réseau le matin. Moi, j'ai décidé de passer par mon téléphone. Je me suis dit, tiens, je vais tout tester à partir de mon téléphone. Puis je vais laisser la bande passante pour les participants. Puis finalement, lors du premier lab, on a eu un problème de connexion RDP qui ne sortait pas en fait au travers la connexion sans fil, l'endroit où on était à l'ENAP. Donc, on a fait ouvrir les ports, mais ça a pris une bonne demi-heure. Donc, tout simplement, ça m'a permis de parler un petit peu plus pendant cette demi-heure-là. Mais bref, c'est le petit problème qu'on a eu. Donc, ce que je vais vous dire sur ce workshop-là, on va le donner à Montréal très prochainement. En fait, ça va être en juillet, début juillet, juin est vraiment très chargé, trop chargé pour qu'on puisse se livrer en juin. Mais c'est un gros workshop. Écoutez, on a mis beaucoup d'efforts. J'ai travaillé avec Marcos, avec Eric et Sébastien. Sébastien, mon collègue à Montréal, qui a fait le provisionnaire, qui a fait un excellent travail. Il y a eu des bonnes idées pour le workshop. On en a mis beaucoup. Moi, mon plan, c'était qu'il en manque pas. Je voulais absolument qu'on ait assez de matériel. Donc, on a mis beaucoup de stock. Et l'un des défis qu'on avait avec ce workshop-là, c'est qu'en fait, les VM qu'on veut administrer, les machines qu'on veut administrer, c'est des machines Windows. C'est plus difficile à installer en VM parce que ça prend des licences, en fait, Windows. Donc, on a opté pour rouler ce workshop-là dans Azure. Donc, à l'aide de Microsoft, en fait, on a organisé le tout. Ça s'est hyper bien passé, vraiment. Belle collaboration avec les gens de Microsoft, sur ça. Donc, je les remercie d'ailleurs. Donc, les VM étaient hostées sur Azure. Le provisionneur que je vous ai montré la semaine passée provisionnait plusieurs machines dans Azure. En fait, deux machines. Microsoft avait fourni des Azure Pass d'une valeur de 50 $ US à tous les participants, ce qui était amplement pour rouler le lab pendant 2 journées complètes sans arrêt. J'ai fait une petite démo guidée à la fin avec Tower. Donc, beaucoup, beaucoup de matériel, peut-être trop, effectivement, mais écoutez, le but ici, c'est un workshop qui est gratuit. Enfin, on le donne, on ne charge pas pour ça. On vous invite un après-midi. On a travaillé fort sur ça. Je peux vous dire qu'on a passé plusieurs journées. J'ai même travaillé les soirs, les fins de semaine. J'en ai même rêvé à un moment donné, une certaine nuit. Mon cerveau lançait des playbooks pour faire toutes sortes de choses pendant la nuit. Donc, on a mis beaucoup d'efforts. J'ai mis en place un sondage, les gens ont répondu au sondage, le sondage était assez positif, mais les commentaires sont venus souvent, ah, il y a beaucoup de stock, ça aurait été le fun d'avoir plus de temps. Et le but de ce genre de workshop-là, c'est de vous lancer, en fait, de vous permettre de commencer avec Ansible, du moins. Et le reste du contenu qu'on n'a pas le temps de couvrir, on laisse en référence, puis les machines sont accessibles encore, donc c'est libre à vous de continuer. Mais c'est sûr que si on pourrait laisser plus de temps, ce serait le fun. Mais en fait, c'est difficile de sortir les gens aujourd'hui pour une journée complète. Donc, on s'est dit des demi-journées pour des workshops, c'est pas trop demandé.
Oui, ça serait le fun d'avoir plus de temps, mais vous pouvez continuer tout simplement par après. Donc, si vous voulez voir de quoi a l'air le workshop, tenez, je vais mettre les liens dans le chat ici. Donc, ici, on avait la préparation. Là, je veux le PDF de la préparation. La préparation demande le provisionneur. Le provisionneur est arrêté en passant. Là, si vous essayez d'accéder au provisionneur, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Et je monte le PDF en fait du workshop qui est ici. Le PDF, si vous voulez le suivre, essayez de faire les exercices, peut-être donner vos commentaires en même temps, ça serait bien. Comme je dis, on prévoit le refaire à Montréal et sûrement à Québec aussi à d'autres occasions, parce que le sujet Ansible Windows est un sujet assez populaire ces jours-ci. Donc ça va pour ce que j'avais à dire. Sur quoi j'ai travaillé cette semaine? Donc, grosse semaine encore. En fait, ça fait 9 ans que je suis avec Red Hat et je me rappelle pas d'avoir dit très souvent du moins qu'on avait des semaines non chargées. On a des semaines pleines, beaucoup de demandes qui rentrent constamment. On a une batterie de produits maintenant chez Red Hat, donc ça nous tient très occupés effectivement à toutes les semaines. Côté annonce, juste vous rappeler, le 14 juin, on a un événement avec Microsoft à Québec. On va discuter, je mets le lien dans le chat encore une fois. Donc, on va discuter SQL sur Linux, OpenShift sur Azure, et on va revisiter bien sûr l'automatisation avec Ansible, donc reprendre des portions de ce qu'on a fait dans le workshop. C'est une forme de présentation, démonstration, c'est pas un workshop. Ça dure toute la journée du 14 juin prochain. Sur Montréal, la prochaine activité qu'on a, le ROG, bien sûr. Le ROG, on a visé le 12 juillet. J'ai pas fait d'annonce encore. Je vais attendre quelques jours afin de faire les annonces. Le ROG, c'est notre Red Hat User Group. Donc, on va l'ouvrir à tous pour cette prochaine édition-là parce qu'on veut vous offrir le workshop qu'on a fait à Québec. Donc, le workshop d'Ansible Windows, simplement avec Azure. On va faire le même concept. On va juste l'améliorer un petit peu. On a eu des vos commentaires, en fait, les commentaires des gens de Québec sur des choses à peut-être améliorer ou corriger avec Sébastien, avec Eric et Marcos. On va leur travailler. On va livrer une version améliorée à Montréal. Donc, sur ça, fini les annonces. On embarque dans les sujets maintenant aujourd'hui que je voulais couvrir avec vous. Donc, on va finir les nouveautés de RHEL 7.5, plusieurs nouveautés. On a déjà touché à vidéo et peut-être juste pour un rappel pour ceux qui ont manqué les autres émissions. Je vais afficher ici. Donc ici, les nouveautés. Les nouveautés, en fait, beaucoup de nouveautés, une centaine de nouveautés dans RHEL 7.5, pardon. Mais ici, c'est les nouveautés principales. Donc, on a couvert déjà vidéo dans la première épisode. Donc, si vous avez manqué la première épisode, je vous invite à aller voir la portion vidéo qui est plus à la fin, les 20 dernières minutes avec démonstration. Je vous dirais que c'est la capacité numéro 1, le highlight RHEL 7.5, en fait, qui s'adresse au stockage principalement. Aujourd'hui, ce qu'on va couvrir ensemble, c'est Linux System Role. Je vais parler aussi de OpenSCAP, Ansible Remediation, et pas finalement, je vais y aller avec Builder. Je ne l'ai pas écrit ici. Oui, ici, Full Support of Builder. Donc, je vous dirais, je vais focus un petit peu plus sur System Role et Builder, et si le temps le permet, on ira regarder les remédiations OpenSCAP. Donc, je vais enlever ça ici. Donc, Linux System Role maintenant. Qu'est-ce que c'est les Linux System Role? On aurait pu rajouter le mot Ansible parce que c'est Ansible qui est en arrière de ça, on ne l'a pas mis. Je n'ai pas la raison qui explique pourquoi on n'a pas mis le mot Ansible dans ce point-là. Mais bref, c'est des rôles Ansible en fait qu'on livre avec la plateforme RHEL. On a introduit ces rôles-là. Avec l'arrivée de RHEL 7.4. Avec 7.5, les rôles ont évolué, se sont améliorés. Donc, j'en profite pour en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment une capacité super le fun. Une belle ajout qu'on a fait à la plateforme, une belle intégration avec Ansible qu'on a fait pour la plateforme RHEL. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les Linux System Role? Comme je dis, c'est une collection de rôles Ansible qui vont permettre de faire de la post-configuration de vos RHEL. Donc ici, ce qui est le fun, c'est que ces rôles-là ont été configurés en fait pour supporter toutes les versions mineures, bien sûr, de RHEL 7, mais aussi RHEL 6. Donc, comment on travaille avec les rôles? C'est hyper simple. Par exemple, vous voulez configurer en post-configuration SC Linux, des choses que certains d'entre vous peuvent avoir à faire. Donc, on a créé un rôle pour configurer SC Linux en post-configuration pour indiquer notre configuration où on l'indique.
C'est dans des variables, tout simplement, Ansible. Donc, dans des variables, vous définissez comment vous voulez configurer SE Linux et le rôle en soi, lorsqu'il est exécuté au travers Ansible, va détecter sur quelle version de RHEL vous êtes. Oui, j'ai des liens. Oui, j'ai des liens. Je vous fais sur ça dans quelques instants. Donc, c'est des rôles. J'ai perdu mon fil avec ça. Donc, oui, on met les fichiers de configuration. C'est difficile, hein, de présenter puis de regarder l'interaction avec le chat et essayer de répondre en même temps aux questions. Donc, je vais finir par m'habituer. Donc, les configurations, on les met dans le playbook, en fait. Et une fois que le playbook est monté, on va appeler, ben pas le playbook, les variables sont configurées, on va appeler les bons rôles. Donc, je vais vous faire une démo dans quelques instants de SE Linux. Peut-être vous dire un petit peu avant d'embarquer dans la démonstration d'où ça vient cette demande-là. Généralement, l'ajout de ces capacités-là, oui, nos agendas travaillent sur des idées, mais souvent ça vient de demandes des clients. En fait, on a un client assez majeur aux États-Unis, compagnie financière, je pense pas que je puisse la nommer, mais c'est vraiment très, très gros. Eux, leur défi numéro un avec RHEL, c'était de mettre à jour des versions majeures, en fait, donc de passer de 6 à 7. Et le défi, c'était vraiment tout ce qui se faisait en post-configuration pour eux, configuration du réseau, configuration NTP, configuration SE Linux, j'ai déjà mentionné. Donc, ils cherchaient une façon, en fait, de rendre ça plus automatisé. Donc, nos ingénieurs se sont testés avec eux. On est arrivé avec ce concept-là. Pourquoi pas utiliser Ansible, puis pourquoi pas y aller avec ce principe de rôle-là? Fait que c'est de là qu'est née, en fait, cette capacité-là. Donc, c'est une belle capacité inclue. Donc, ça facilite, en fait, le passage d'une version mineure à l'autre, ou même d'une version majeure à l'autre, en fait. Parce qu'on garde notre fichier de configuration. Notre fichier de configuration, notre playbook, en fait, qui contient les variables, vont s'appliquer autant à 6 qu'à 7. Donc, je passe à la démo. Assez parlé. Donc, démo. Ouais, je pense qu'Eric, tu l'as envoyé déjà, le lien. Je vais le remettre. Je pense qu'on a le même, mais bon, c'est bien. Merci, Eric. Démonstration. Je vais juste faire rapetisser ça ici. Je vais aller chercher des machines virtuelles, une machine RHEL 7. Oups. Je vais là-bas. Excusez. Ici, il faut pas que je dise des gros mots comme ça. OK, donc ici j'utilise Boxy sur Fedora, je suis en Fedora 27, en fait mon interface est en Fedora 27. Pas mon interface, pardon, mon portable est en Fedora 27. J'ai beaucoup de distractions en ce moment, là, plusieurs écrans, puis je vois des choses se passer entre les écrans, donc je me demande, oh, y a-t-il un problème ou pas? Tout semble être OK, merci. Donc on va aller chercher un RHEL 7.5 qui est ici. OK. Donc, est-ce que c'est bon la résolution? Vous voyez bien le texte? Est-ce que j'ai besoin de grossir? Je vais attendre vos commentaires. Je pense que c'est bon si personne répond. OK. Oui, c'est bon. Merci, Eric. Je vais aller chercher mon petit fichier, mes notes ici. Aller mieux. Donc, pour installer les rôles, les Linux System Role avec sur RHEL ou même sur CentOS, ils ne sont pas installés par défaut. Il faut les installer. Puis bien sûr, ça nous prend Ansible pour fonctionner. Donc, en RHEL, peut-être que vous ne savez pas, on a changé les repos pour Ansible. Donc maintenant, on a un repo pour chaque release d'Ansible. Donc, avec ce Subscription Manager repo, j'active tout simplement le repo de la version Ansible que je veux installer. Donc ça, c'est la première étape du côté RHEL. Bien sûr, du côté CentOS, vous n'avez pas à faire ça. En fait, du côté CentOS, ça prend EPL d'activer. Et une fois pour aller chercher Ansible, parce qu'Ansible n'est pas bundlé dans CentOS. Et une fois que ça c'est fait, ça je l'ai déjà fait sur le poste ici. Donc, bien sûr, j'ai testé mes choses avant. Donc, il suffit d'installer les RHEL System Role et Ansible. Et une fois que ça c'est fait, on a ce qu'il faut pour travailler avec les System Role. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre un répertoire. Je vais vous montrer un répertoire où sont déposés les rôles. Oups. Donc, les rôles. Oups. Donc, on les voit ici. Donc, c'est les rôles qui sont livrés de base avec RHEL 7.5 et même avec 7.4, c'est sensiblement les mêmes. Donc, des rôles qui vont permettre de configurer, de post-configurer Cadomp, Network. Le serveur postfixe SE Linux, c'est TimeSync. Okay? Donc, si je vais voir, par exemple, SE Linux, donc je vais aller voir ici
Les rôles sont cachés dans le répertoire TAS pour ceux qui ont fait du NCBA. Je vois pas, je vais juste aller voir le chat pour être sûr que c'est bon. OK. Merci. Donc ici à l'intérieur, j'ai le rôle en question. Donc voici le rôle. Vous pouvez voir de quoi ça a l'air, qu'est-ce que le rôle va faire. Maintenant, mais si je veux savoir quelle variable que je dois passer au rôle, on peut regarder le playbook si vous êtes assez habile avec la lecture des playbooks, mais sinon, il y a un README qui est juste ici. Oh, je suis dans le task. Donc le README va expliquer en fait ce qu'il faut passer comme paramètre. Et ce qui est le fun, c'est qu'il donne des exemples ici tout simplement, là. Donc pour appeler le rôle, c'est justement la seule commande qu'on a besoin d'utiliser et les variables, voire plus bas. Donc les variables qu'il faut passer, voici des exemples. Donc c'est ce que je vais utiliser. On peut configurer quand même différents aspects de ce Linux. Ces rôles-là, bien sûr, évoluent dans le temps. En fait, ce que j'ai pas mentionné au niveau de ces rôles-là sont créés en fait par les gens qui créent RHEL. Donc, c'est les gens ingénieurs de RHEL qui montent ces rôles-là. Donc, ils savent, en fait, sont très habiles à configurer RHEL, à savoir exactement qu'est-ce qu'il faut qu'il soit modifié lorsqu'on exécute un rôle. Donc, ça vient vraiment des ingénieurs. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne, je vais juste sortir du root. J'ai un petit dossier qui s'appelle NCBA ici. Donc, j'ai créé tout simplement un playbook qui va appeler le rôle SELinux. Donc, j'ai un rôle. Ici, pardon, les variables pour configurer ce Linux. Donc, ce Linux type, c'est quoi le type que je veux configurer? Je vais le mettre en mode permissif. Je vais m'assurer aussi que ce Linux roule une fois que le playbook va avoir terminé de rouler. Donc, c'est des variables. Ça me permet de configurer ce Linux, autant pour L7 que pour L6. Et c'est le rôle qui prend en charge les différentes commandes. Donc, on n'a pas à savoir les commandes. Module super intéressant, rôle super intéressant, en fait, de ces systèmes rôles, c'est le rôle network. Effectivement, puisque Network, la configuration du réseau a changé entre 6 et 7. Il y a des ressemblances, mais il y a quand même des différences, entre autres, avec l'implication de Systemd, là. Donc, ça peut être intéressant à regarder aussi. Donc, si j'exécute maintenant ce playbook-là, avant toute chose, je vais vous montrer ici, on va démarrer. Je crois que j'ai assez de mémoire. Je vais me démarrer un RHEL 6 ici. Tiens. Donc, je vais juste vous montrer que le playbook va rouler, va configurer ce Linux en 6 et en 7 en même temps. Donc, pendant que ça démarre, je vais retourner dans mon RHEL. Je sais être sûr que tout est correct. Ouais. Je vais retourner dans mon RHEL 7.5 et je vais avoir à éditer le fichier inventaire parce que l'adresse IP du poste, whoops, j'ai pris le focus. Je vais aller configurer le fichier inventaire. Donc, mon fichier inventaire, tous mes RHEL, ici, mes CentOS. Donc, RHEL, je vais aller changer ça ici. Ça doit être la bonne adresse qui est ici. Donc, je vais aller voir s'il est fini. Je crois qu'il est démarré, oui. Donc, on va aller chercher l'adresse IP. C'est 124.114. Donc, 124.114. Je vais enregistrer. Et j'ai exécuté le playbook. En fait, juste vous montrer avant la configuration de ce Linux. Oups. Donc, il est en mode permissif. Ce qu'on va faire, juste pour vous montrer que le playbook fonctionne, on va faire un set force à 1. Il faut que je sois un sudo. Oups. Donc, vous montrer, on est en enforcing. Donc, le playbook, si vous vous rappelez la configuration que j'avais mis, c'est vraiment de mettre en mode permissif. Donc, on va le faire exécuter. Donc, ce playbook-là, c'est tout. Donc, automatiquement, NCBA va aller chercher le fichier inventaire réel. Donc, c'est la première fois que je me connecte à cette adresse IP-là. On va passer à Yes. Donc, quelques opérations qui font quelques validations que le rôle fait. On ne l'a pas analysé tout à l'heure, mais une petite installation. En fait, le rôle s'assure aussi que tout ce qu'il faut pour gérer ce Linux est installé. Donc, si on est arrêté à l'étape d'installer les tools en RHEL 6.9, probablement que les tools n'étaient pas installés pour gérer ce Linux. Donc, ça ne devrait pas trop être long. Donc, c'est fait. C'est passé. Donc, ici, on met le mode ce Linux.
Donc, je vais regarder, ça c'est bon. Donc, on devrait voir évoluer beaucoup les System Roll avec les prochaines releases de RL7 et RL8 aussi là, qui s'en vient. On ne sait pas quand encore, on n'a pas de date à vous donner pour RL8, mais on est en développement avec RL8. Donc, les deux machines ont été faites, les deux machines ont été configurées. Donc, si je fais un get and force, un sudo. Donc, permissif, on va aller voir du côté RL6 maintenant. Donc, on est en permissif, donc les deux ont configuré. Donc, c'est ce qui est bien pour les gens qui manipulent, en fait, qui ont à manipuler deux versions majeures de RHEL, que ce soit 6 ou 7. C'est un bel outil pour faire la post-configuration. Encore une fois, on est limité un petit peu avec les fonctionnalités des System Roll. Ils sont en tech preview pour l'instant, en plein développement. Je peux vous montrer un autre site web que j'ai juste ici. Je vous emmène ça ici. Donc, vous avez le site web officiel des repos, des rôles qui sont sur GitHub. Donc, vous allez voir les modules qui sont disponibles, les modules qui sont en cours de développement. Et si vous cherchez sur GitHub, là, vous allez voir les. Je suis capable d'y accéder ici, non. On peut essayer de prendre une chance. GitHub System Role. J'ai pas le GitHub. Rajouter ça ici. Juste pour voir, je vais juste vous montrer. En tout cas, je retrouve pas le GitHub exact, mais il y a de l'activité en ce moment. Là. Il y a eu des mises à jour. Je regardais ce matin, là, puis j'ai juste pas le lien, là, mais il y avait des commits qui se sont faits ce matin. Donc, c'est très actif en ce moment. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur les System Roles. C'est une belle ajout à RHEL, assez particulier pour notre système d'exploitation. Je pense pas qu'il y ait d'autres systèmes d'exploitation qui sont en mesure d'offrir ça aujourd'hui. Donc, je vous invite à y jeter un œil. Ah, j'ai des petites notes ici que j'ai oubliées. En fait, ce que les System Roll vont rajouter aussi, en tout cas peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu moins RHEL, on a deux promesses hein, avec Red Hat Enterprise Linux. On garantit deux promesses, en fait, la stabilité de l'API. Et l'API. Donc l'API, c'est l'Application Programming Interface, la stabilité dans la release mineure pour les développeurs d'applications. Donc s'assurer que lorsqu'ils codent une application, par exemple pour RHEL 7.1, ben, que l'application va continuer à marcher pour les mises à jour subséquentes. On appelle ça la garantie de l'API. Et on a la garantie de l'ABI, Application Binary Interface, qui est la stabilité du kernel pour les manufacturiers matériels. Donc s'assurer qu'eux, quand ils développent un driver qui est inclus dans le kernel pour une carte réseau, pour une carte vidéo, ben que ce kernel-là ne sera pas modifié à tous les semaines, que le kernel reste, le corps du kernel reste intouché. Donc, c'est les deux garanties qu'on fait. En passant, on est la seule distribution Linux à offrir ces garanties-là, ce qui fait que certaines portions évoluent moins vite dans RHEL à cause de ces morceaux-là qu'on traîne, mais c'est notre promesse. On veut offrir quelque chose de stable sur une période de plusieurs années. Donc, on n'a pas le choix, il faut garantir cette stabilité-là. Encore une fois, on est la seule distribution Linux à offrir cette stabilité-là. Maintenant, avec les Linux System Role, on va garantir une troisième chose importante, c'est-à-dire la stabilité dans le déploiement des configurations post-config. Donc, c'est un concept intéressant. Donc, je vais voir les liens. Eric, je crois que tu avais mis les liens. Je pense qu'on a le même lien, effectivement. Sinon, le deuxième lien que j'ai montré, ah, je l'ai ici, tiens. Donc, le lien. C'est ça, le lien ici des systèmes Roll sur GitHub. Midi 45, excellent, ça va bien dans les temps. Prochain sujet, je pense, d'actualité, les containers en fait. Les containers sont de plus en plus populaires. OpenShift est du moins très populaire chez Red Hat. On aura sûrement une émission dédiée à OpenShift dans les prochaines semaines. Mais j'ai choisi, aujourd'hui en fait j'ai choisi, j'ai pas vraiment choisi, ça fait partie des nouveautés de RHEL 7.5. On a maintenant la version 1.0 de Build A. Okay. Donc Build A, qu'est-ce que c'est Build A? C'est un drôle de nom, là, mais je pense que le créateur en arrière de Build A s'appelle Dan Walsh, c'est le même créateur qui
qui a pas créateur, mais qui a conçu, qui a géré pendant longtemps SE Linux. Donc, Builder danois s'est rendu du côté des containers. Il fait beaucoup de développement. Donc, Builder, qu'est-ce que c'est Builder? Peut-être juste le taper là, dans le chat. Donc, Builder, ça vous permet de construire des images, des containers, des images de containers, compliant au CI. Quand je dis compliant au CI, c'est qu'on peut le rouler non seulement avec Docker, mais les autres technologies qui sont compliant au CI, comme Creo, par exemple. Donc, les images peuvent être construites à partir d'une image existante. Vous pouvez, avec Builder, et c'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants, aller chercher une image qui existe sur un repo Docker, le télécharger et construire votre image avec Builder. L'avantage d'aller avec Builder, c'est que Builder, c'est une ligne de commande. Hein. C'est pas un daemon. Donc, c'est une ligne de commande qu'on installe qui se met un petit peu par-dessus les technologies au CI, donc Container Image et Container Storage. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vais vous copier dans le chat. Suis-je capable? Donc, c'est des technologies propres à Creo qui permettent de gérer les images et gérer le stockage de ces containers-là. OK. Ici. Donc, c'est une ligne de commande qui utilise des technologies au CI pour manipuler en fait les containers. On n'a pas besoin d'aucun démon. Okay, on n'a pas besoin de Docker d'installer pour manipuler, créer ces images-là et même les rouler. Okay, on peut rouler avec Builder des containers, mais le but ici, là, c'est pas de remplacer Docker, c'est vraiment d'avoir un éditeur d'images un peu plus flexible, je dirais, que Docker. Je vais vous montrer pourquoi je dis flexible dans quelques instants. Donc, c'est très light, pas besoin encore une fois, de Docker. On utilise la ligne de commande, on crée nos containers, on les édite. Et après ça, on peut les publier. On peut les publier directement dans un registre Docker à partir de Builder, mais vous allez voir dans quelques instants avec la démonstration. Ce qui est super intéressant aussi de Builder, c'est que on peut construire nos containers, OK, et installer des paquetages à l'intérieur du container sans utiliser la technologie de paquetage dans le container directement. Donc, je m'explique un petit peu là, j'essaie de faire ça le plus simple possible. Donc, si vous téléchargez l'image de CentOS, par exemple, de Docker, cette image-là va peser plus ou moins 200 MB. Pourquoi est-ce si grosse que ça? C'est que les gens qui ont construit cette image-là de base, qui est disponible sur Docker Hub, ont intégré à l'intérieur Yum. Et Yum, est basé pour l'instant en Python. On l'a réécrit avec Yum 4 en C++, mais pour l'instant, Yum est en Python. Donc, il y a des dépendances Python à ça, ce qui fait que les gens qui ont construit l'image ont laissé Yum, puis ont laissé les dépendances à Yum à l'intérieur, ce qui fait que l'image est assez grosse. Donc, en utilisant Builder, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement déclencher Yum pour installer des paquetages dans le container, mais à l'extérieur du container. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'installer Yum pour installer des paquetages dans le container. Donc, je me répète, là, je tourne en rond, là, mais bref, au fin de compte, ce que je vais vous montrer dans mes démonstrations, c'est qu'on arrive avec une image très clean de CentOS en bas de 60 MB au lieu de 200 MB. Vous allez dire, ouais, 200 MB, 60 MB, c'est pas une grande différence, mais lorsqu'on veut lancer des containers, lorsqu'on opère une plateforme de containers, on veut que ça soit rapide. Pour que ça soit rapide, il faut que l'image soit vraiment optimisée. Donc, c'est le but de Builder, en fait. Donc, vous permettre, en dehors de Docker, de construire vos images et en plus d'alléger la construction, la grosseur de vos images, de vos images de containers. Donc, super intéressant. Donc, on passe à la démonstration. Je vais regarder dans le chat. J'ai une question comme Vagrant. Oui et non. C'est sûr que Vagrant va permettre d'automatiser, en fait, la création de VM dans une espèce de fichier recette. Difficile à dire, là. J'utilise, honnêtement, personnellement, j'utilise pas beaucoup Vagrant. Donc, j'ai de la misère un peu à faire la comparaison. Peut-être s'il y a des gens qui nous regardent dans le chat qui ont la réponse, peut-être allez-y. Mais sinon, regarde, ce qu'on va faire, je fais un petit deal peut-être avec toi. Je vais faire la démonstration, puis après la démonstration, tu pourras peut-être me dire si ça se compare ou pas. Donc, on va aller sur le bureau, encore une fois.
Donc, ce que je vais faire pour la démonstration, on va aller commencer la première. En fait, j'ai deux démos à vous montrer. OK. Deux démos à vous montrer. Je vais juste sortir mon petit fichier comme tantôt, mes petites notes. Et là, j'ai encore pris le temps de préparer mon émission. Pour ceux qui me connaissent, je suis assez organisé. Je monte toutes mes affaires puis je teste, mais je vous laisse deviner, c'est quand même beaucoup de travail. Donc, je suis plusieurs streamers, en fait, sur Twitch, dont certains programmeurs et une des filles que je suis qui travaille chez Microsoft comptait qu'au début, c'est ce qu'elle faisait, là. Préparait tout, testait tout, puis ça faisait beaucoup de travail. Fait que peut-être que, puisque les épisodes vont avancer, je vais être moins préparé, puis on va y aller plus à l'improvisation. Mais pour l'instant, tout est pas mal scripté déjà. Donc, faut quand même que je construise ma base de gens qui me suivent. Faut que je gagne, faut que je donne la crédibilité. Faut que je gagne en crédibilité, en fait. OK, donc, première démo que je vais faire, on va utiliser REL 7.5. Deuxième démo, on va utiliser CentOS. Je vais vous expliquer pourquoi que je... J'utilise CentOS pour la deuxième. Donc, première étape, parce qu'on travaille avec Build. Ah, tout d'abord, il faut l'installer. Pour l'installer, on fait yum install builder tout simplement. Il va installer les dépendances qu'il faut. Je ne me souviens pas dans quel repo qu'il est. Je pense qu'il est dans le repo de base. Sinon, il est dans Extra. Donc, ça sera validé. Là, peut-être une question, à moins que quelqu'un ait la réponse dans le chat. Je vais juste regarder. J'ai trop de fenêtres ouvertes. OK. Donc, première étape, je vais me partir un container. Tiens, je vais demander à Buildup. En fait, oups, petite erreur ici. Je vais demander à Buildup. OK. Donc, j'appelle la commande Buildup ici. Je dis construis-moi une image que je vais travailler, en fait, cette image-là, à partir d'une image qui existe qui s'appelle Fedora. OK. Et Buildup, par défaut, retourne en fait le nom de l'image qu'il a créée et lui donne un nom particulier. Je vous le montre dans quelques instants. Oups, faut être en route pour faire ces opérations-là avec Buildup. OK. Wow, oups. On reprend ça ici, désolé. Je vais juste me répéter là, mais. OK, ça va bien. OK. OK, on va faire un autre. Je pense que par défaut, il s'en va chercher du côté de notre Régis. Il m'a pas fait ça tout à l'heure, donc j'ai sûrement changé une configuration. Donc, il s'en va chercher de notre côté Régis et on n'a pas Fedora. Peut-être que je garde ce que je vais faire. Je vais lui demander qu'il construise de REL 7, par exemple. Je pense que ça va fonctionner. Ouais. C'est juste, ça va être un petit peu plus long, là, télécharger toute l'image. L'image est assez grosse de REL 7, si je me souviens bien. Oh non, pas trop pire. Donc, super. Donc, en fait, ce que Builder a fait, c'est qu'il a téléchargé l'image de REL et en a fait un nouveau container pour voir le nom, une image en fait disponible. Donc, pour voir le nom du container, je vais aller chercher la variable. Donc, il l'a appelé REL 7 Working Container. On l'a mis en fait dans une variable pour rendre ça plus simple pour les prochaines opérations. Okay. Donc, par exemple, si je vais exécuter maintenant ce container-là, voir si ça fonctionne, encore là, j'ai pas de Docker qui roule en ce moment. C'est vraiment juste build A. Je vais faire un run tout simplement. Et je vais appeler le nom container, puis je vais appeler le bash. Donc, je suis rendu dans le container, juste pour être sûr que ça marche. Donc, je suis en 7.5 dans le container. Aucun daemon qui est ici. En fait, build A me permet d'aller me. Connecté dans le container pour voir qu'est-ce qui se passe. OK. Donc, première étape. Maintenant, si j'essaye, là, je prends une chance parce que je l'avais essayé avec Fedora, mais je ne l'ai pas essayé en REL. J'essaie de rouler Java à l'intérieur. Java n'existe pas à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, on va dire à Builda, ben, connecte-toi dedans et installe-moi Java. Donc, c'est les mêmes switches qu'on utilise en fait avec la ligne de commande pour Docker, pas DNF, ce que j'avais fait avec, et on va installer, je prends une chance. Alors, c'est bien ce que je pensais. Le problème que j'ai eu.
du moins, vous comprenez le concept. Donc, c'était la première démo. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est installer Java. Il y a un petit problème de. C'est drôle parce que tantôt, lorsque j'y ai demandé d'aller me chercher l'image, il est allé le chercher quand même sur notre repo. Donc, il a validé qu'il y avait un abonnement. Mais là, lorsque je tente de rentrer à l'intérieur, il me dit que dans le container, il n'y a pas d'abonnement réel disponible. C'est pas grave, j'ai un plan B pour ça. J'ai effectivement une machine CentOS ici. Donc, on va faire le même principe ici en CentOS. C'est des choses qui arrivent, c'est des démos live. Même si on est testé, des fois, il y a des choses qui nous échappent. Et c'est une nouvelle technologie pour moi, du moins. Donc, je ne maîtrise pas encore totalement Builder. Donc, je vais repartir. On va refaire la même chose qu'on a fait tantôt, mais on va y aller plus vite cette fois-ci. Je crois qu'on n'aura pas de problème de licence, puisqu'il n'y a pas de licence dans CentOS. Je fais du copier-coller. Mon script est pas bon. Donc, je vais juste essayer si ça roule. J'ai pas copié la bonne ligne. Oui. Ouais, c'est parce que j'ai fait ça ici. Voyons, j'ai la misère. Bon, ok, on l'a. Désolé. Est-ce que c'est assez gros la fonte? Je vais peut-être grossir un peu, là. La fonte ici, là. Même, je vais y aller en 14. Parce que je doute que sur YouTube, la résolution va être moins haute. Peut-être que le texte ne sera pas lisible. Donc, ça fonctionne. Je suis dans mon container Fedora, étant Fedora 28. Je vais quitter. Maintenant, je vais faire le même principe ce que je voulais vous montrer tantôt. Donc, je vais rouler Java. Java n'existe pas. On va demander à Builder de l'installer en utilisant DNF. Et là, je vais en me connectant à l'intérieur du container, cette fois-ci comme première démonstration. Donc, à l'intérieur du container, on demande à Builder de runner le container. On se connecte à l'intérieur et on lance la commande DNF pour installer Java. Ça ne devrait pas trop être long. Allez, allez. Alors, des questions en attendant? Non, c'est tranquille sur le chat. Bon, effectivement, là, je suis frappé, je crois, par le démon des démos. Ah non, ok, on y va. Effectivement, à l'époque, les premières fois que je présentais, des démonstrations. Lorsque j'ai commencé ce travail-là, j'ai un collègue qui m'avait dit, toujours, avant de faire des démos live, il faut toujours faire un sacrifice. Donc, on prenait une petite mascotte. J'en ai pas proche ici de mascotte, mais on prenait une mascotte et on la sacrifiait. Et ça nous donnait la chance pour faire les démos, chose que je n'ai pas faite aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que Builder est connecté à l'intérieur et roulé DNF. DNF est dans le container Fedora. Donc, et on installe tout simplement Java et les dépendances. J'ai pas pris le plus petit exemple. Java est quand même assez volumineux. Plusieurs paquetages, donc presque terminé. Donc, j'ai Java maintenant. Si j'essaie de réexécuter le container, vous voyez là, Java répond cette fois-ci. OK. Donc, ce que j'ai fait, encore une fois, ça c'est ma première démo. Je vais montrer Builder, comment ça fonctionne, comment on fait pour se connecter à un container, lancer des tâches. Mais c'est pas ça qu'on veut faire vraiment, qu'on utilise Builder. Oui, on veut faire ça pour faire des tests. Mais ce que je vais vous montrer ici, je vais vous montrer la commande Builder Images qui va m'afficher les images que j'ai téléchargées sur mon poste. Et vous montrer, là, regardez là, la grosseur. En tout cas, je l'ai déjà fait là. Bref, juste vous montrer la grosseur des images de Fedora 250 MB. C'est trop pesant pour un container. Même chose, regardez CentOS, là, 200 MB, c'est beaucoup. On peut arriver, et là j'ai fait déjà l'exemple ici, je l'ai testé ce matin. Donc je suis arrivé à 56 MB avec un container de base avec CentOS. D'ailleurs, c'est ma prochaine démo, je vais vous montrer comment on fait avec Builder pour construire un container sans aller à l'intérieur. Donc utiliser les outils qu'on a à l'extérieur du container pour faire l'installation des paquetages à l'intérieur. Donc ça, je dirais, c'est vraiment la valeur, je pense, la valeur ajoutée la plus importante là, que Builder nous offre.
Donc, ce ne sera pas très long, la démonstration. Je sais qu'il y a déjà 1 heure. J'avais parlé d'un 45 minutes, mais on va dépasser. Donc, mais je vais terminer avec ça, puis parler très rapidement OpenSCAP pour finir pour 1 heure et quart. Donc, ce que je vais faire avant pour la démo, là, pour que ça fonctionne, build A, je vais faire RMI, c'est les mêmes commandes que Docker. Fait que je vais enlever cette image-là, parce qu'on va la reconstruire ensemble. OK. Donc, je vois mes images. Juste leur mettre ici. OK. Donc, deuxième démonstration. Donc, on va construire un container from scratch. OK? Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais je pense que ça existe toujours, là. Linux from scratch. On va faire la même chose, container from scratch. D'ailleurs, Linux from scratch, ce serait le fun peut-être de revisiter ça un jour. Quand j'enseignais au Cégep, il y avait certains étudiants qui, pour leur projet de fin d'études, avaient utilisé Linux from scratch pour construire leur environnement de projet de fin d'études. Donc, c'est une bonne façon d'apprendre comment Linux est structuré, en fait. Bref, petite parenthèse, ça m'a fait penser à ça en disant container from scratch. Donc, démo numéro 2, maintenant, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle nouveau container. Et regardez ici, je demande à Builder de construire from scratch, aucune image. Donc ça va être très rapide, pratiquement instantané. Donc juste vous montrer qu'est-ce qu'il a donné comme nom de container. Donc il appelle Working Container 3, parce que j'ai déjà fait des tests avec la machine. Il est sans doute rendu au troisième à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une capacité intéressante de Builder qui s'appelle Mount, qui permet de monter en fait l'image du container. Sur le système sur lequel je suis. Et après ça, je suis capable d'aller copier directement des fichiers à l'intérieur. OK? Donc, c'est ce que je vais demander. Encore une fois, je vais vous montrer ce que ça nous donne avec un écho. Je l'appelle Scratch Mount. Oups. Scratch. Comment j'écris ça, là? C'est vendredi. Scratch Mount. OK, donc on voit le point de montage, OK, où il se situe. Donc on va se connecter à l'intérieur. En fait, c'est OverlayFS qui est là. Donc plusieurs couches qui sont montées sur une. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc maintenant, je vais installer dans ce système de fichiers-là, sans aller dans le container, en utilisant tout simplement Yum. OK, donc je vais installer ce qu'il faut à un container Linux, OK, pour rouler au minimum. OK, donc j'installe Bash Core Util. Je passe quelques options à Yum pour forcer l'installation dans un répertoire. En gros, c'est ce que ça fait. Puis j'indique l'encodage, en fait. OK? Donc, si tout est bien, je vérifie, tout est bien. Alors, Yum va télécharger les paquetages Bash et Core Util et les dépendances. Et il va les injecter dans le point de montage pour pouvoir, après ça, on va être après ça, en mesure de démarrer le container et de se connecter à l'intérieur. Donc, ce qu'il va falloir faire après, c'est un petit peu de nettoyage. Il y a des RPM qui ont été downloadés dans le container. On va aller effacer ça. On ne veut pas laisser ça dans le container. Donc, on va avoir un container le plus petit possible. OK. Donc, des petites opérations. On va faire un petit yum clean all ici dans le path du container. Donc, nettoyer toutes les configs de yum et finalement enlever la cache de yum. RPM qui ont été downloadés dans le container. On ne veut pas garder ça dans le container. OK. Après ça, je vais donner un nom maintenant à mon image. OK. Je vais l'appeler CentOS Base parce que c'est vraiment un CentOS très petit, là. C'est la plus petite version CentOS que vous pouvez trouver sur le marché aujourd'hui. Donc, et je vais bien sûr démonter le système de fichiers. OK. Pour fermer le tout. Et je vais commettre en fait mon image maintenant pour pouvoir l'utiliser et l'exécuter. Puisque là, je suis en mode working, l'image n'est pas commise. Si je fais un Docker image, là, pas Docker image, pardon, trop habitué de travailler avec Docker, Builda, est toujours pas disponible ici. Je vais la rendre disponible tout simplement pour les autres personnes, s'il y en a d'autres qui veulent construire autour de ça. Donc, je vais faire un commit. Et ceux qui ont travaillé avec les containers, eh bien, le principe, c'est que l'auteur met son nom, slash, le nom de son image. OK? Donc, je fais ça ici. Donc, ça va commettre l'image CentOS dans mon registre builda, en fait.
Donc, si je fais un bulldog image maintenant, je vais juste faire un clean. Là. Je me sens dans le bas de l'écran. Donc, je vais faire un image. Et maintenant, regardez, j'ai mon image CentOS optimisée au max avec le strict minimum. Regardez la différence. Il y a quand même une bonne différence, là, pratiquement 150 MB. Donc, ça vaut la peine de faire ce nettoyage-là avec Builda. Et si vous utilisez Docker, après ça, on peut prendre cette image-là, bien sûr, pour la faire rouler, l'enregistrer dans un Docker Registry, puis l'utiliser, par exemple, avec OpenShift, si vous voulez. Donc, pour vous donner ces deux petites étapes-là, qu'est-ce qu'on fait? On va le pusher, tout simplement. Tout d'abord, de un, ça me prend Docker d'installer. Je crois qu'il est installé, mais il n'est juste pas démarré. Oui, on l'avait démarré. Donc, il est déjà démarré. Donc, ce que je peux faire, tout simplement, c'est pousser, en fait, cette image-là de mon registre builda. En fait, mon registre builda, c'est hyper simple. C'est un répertoire qui est dédié à ça. Là. Il n'y a aucune autre capabilité, ce registre-là. Le registre d'OpenShift, pas d'OpenShift, de Docker, est un petit peu plus riche. Donc, ici, ce que je fais, je demande à Builda de pusher l'image CentOS du registre vers le registre d'image de Docker. Je l'ai déjà fait. Là, je pense qu'il va peut-être mettre en erreur. Non, finalement, il l'a mis. OK. Et une fois qu'il est rendu dans Docker, il me reste tout simplement à tester, voir s'il fonctionne. J'aurais pu faire la même chose avec Builda tout à l'heure, mais j'arrive dans mon container et je vais aller voir s'il a mis la version de CentOS. Oui, il l'a mis, 7.5. Donc, j'ai mon petit container optimisé, construit par Builda. Vraiment, hyper, je trouve que c'est une belle technologie, surtout si vous travaillez beaucoup avec les containers, facilite la création, l'optimisation, des containers, la création des containers, des images de containers. Hein, je vais l'avoir. On est vendredi. Si vous voulez maintenant reprendre ce que j'ai fait, vous pouvez bien sûr regarder la vidéo en rediffusion. Sinon, je me suis inspiré de deux documents que je vais mettre dans le chat, donc, premier document et le deuxième, je vous envoie à l'instant, juste ici. Donc deux documents sur lesquels je me suis inspiré, qui donnent l'information, qui en donnent même un peu plus que ce que je vous ai donné. Mais ça va vous permettre de refaire la petite démo que j'ai faite. 1 heure et presque et quart, il reste 5 minutes, ça me laisse juste le temps assez pour vous parler d'une autre fonctionnalité intéressante fournie par 7.5, une amélioration du moins. Donc on va aller voir ça tout de suite en utilisant notre aile 7.5. Donc c'est OpenSCAP. OpenSCAP, pour ceux qui ne connaissent pas, OpenSCAP, c'est un scanner de vulnérabilité, un scanner de conformité, de fichiers de configuration. Donc, ce qu'on fait avec OpenSCAP, c'est qu'on prend, on fait un rapport qui dit que c'est quoi une machine conforme dans votre entreprise. Par exemple, le fichier, le répertoire var doit être sur une autre partition, l'usager root doit être désactivé en connexion seulement disponible en sudo. Donc, un paquet de paramètres, en fait, qu'on définit. Et on demande à OpenSCAP après ça de prendre ces paramètres-là, puis on les exécute sur les machines pour voir leur niveau de conformité. Okay? Les équipes de sécurité adorent cet outil-là. C'est hyper populaire au gouvernement fédéral, pas fédéral, américain. En fait, ça vient du gouvernement américain, en fait, ce concept-là. Mais de plus en plus, on le voit dans les entreprises, et moi, je me promène chez les clients et je fais des démonstrations de ça et les gens adorent ce concept-là. Donc, c'est un bel outil qui est intégré. Donc, ce qu'on a fait avec 7.5, qu'est-ce qui est nouveau? C'est que lorsqu'on exécute, on prend ce rapport-là, on l'exécute, le rapport nous fournit le résultat, en fait. Je vais vous le montrer dans quelques instants, là. Je vais peut-être passer en grand écran. Là, de me regarder dans un petit écran, c'est peut-être pas super. Donc, le rapport, en fait, vous fournit un résultat. Il vous montre tous les tests, ceux qui ont échoué, ceux qui ont réussi. Puis ceux qui ont échoué, ils vous donnent un peu la poutine, comment faire pour passer cet échec-là à un succès. Donc, des fois, c'est un paquet de commandes. Alors, ce qu'on a fait avec 7.5, je pense que vous allez adorer ça, on a pris le résultat de ces rapports-là et on fournit maintenant des playbooks Ansible. Donc, c'est sûr qu'il y a certains résultats de tests, malheureusement, qui ne peuvent pas s'appliquer avec un playbook à Ansible. Il y a des choses, des fois, c'est plus humain ce qu'il faut faire. Mais une grosse partie, du moins, de toutes les commandes qui sont proposées sont converties en playbook.
Donc, je vous montre ça immédiatement. Donc, on a un outil qu'on livre avec REL 7 en fait plus qui s'appelle SCAP Workbench qui permet de loader en fait ces rapports-là puis d'exécuter un scan. OK? Il y en a une panoplie. OK? Vous choisissez les rapports qu'on livre. On en livre plusieurs avec la plateforme. Vous choisissez le rapport que vous voulez. On va prendre un RESET parce qu'on est en CentOS. Non, on est en RESET cette fois-ci. On va lui demander de me charger le contenu. Ça, c'est juste la catégorie, mais on peut choisir les tests, les profils. Ici, il y en a un paquet. Et je sais que certains d'entre vous, vous êtes normés, en tout cas, vous êtes monitorés ou surveillés par PCIDSS. Donc, il y a un test ici qui nous aide à répondre à ces besoins-là de conformité PCIDSS. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi PCIDSS? Si vous avez un serveur sur lequel vous transigez des cartes de crédit, vous avez un site web, par exemple, vous acceptez les cartes de crédit sur le site web. Ces serveurs-là doivent être audités et la norme qui s'applique à ça, c'est PCIDSS, ont des guidelines assez précis. C'est quoi un serveur sécure si vous avez des cartes de crédit dessus? Donc ici, ce qu'on a fait, on a converti leur norme en test. Okay, on fait un paquet de tests sur les machines et on demande tout simplement à SCAP Workbench d'exécuter le scan. Le scan va prendre quelques minutes à s'exécuter puisqu'il y a plusieurs centaines de tests. En fait, il y a 94 tests qui sont faits ici. Ces tests-là peuvent être customisés ou pas. Vous les laissez comme tels ou vous pouvez les modifier si vous voulez. Le customization qui est ici. Je vais laisser faire, mais ce que je vais vous montrer pendant qu'il s'exécute, je vais vous montrer le rapport que le document produit, ce que j'ai fait sortir des petits rapports juste ici. Donc, les rapports que le système fournit, ce sont des rapports HTML. Il y a des rapports plus simples, mais regardez en fait tous les tests qui ont été faits. Donc, c'est un rapport ovale. Il y a différents formats de rapports qu'on peut sortir. Je vais aller voir, je pense que je n'ai pas le bon. C'est pas lui que je voulais vous montrer. Je crois que c'est celui-là ici. On va regarder, sinon je le ferai faire avec Workbench. Montrer celui que Workbench produit. Donc, c'est des gros rapports, c'est pour ça que ça prend du temps à charger, mais c'est un XML de toute façon, donc c'est pas le bon. Bref. Je suis pas chanceux aujourd'hui. On va l'arrêter. Oh. Là, ici, la machine est hyper sollicitée par les tests, c'est pour ça que c'est. J'ai la misère à avoir le contrôle sur la machine. Donc, on va laisser terminer ici. Je vais vous montrer en fait, une fois que les tests sont terminés, vous voyez ceux qui ont passé, ceux qui ont échoué. Voici, une fois que le test a été exécuté, on peut cliquer sur un bouton pour faire générer un Ansible Playbook. Et voici le playbook qui est généré en fait par le correcteur. Donc c'est un playbook que vous reconnaissez avec des variables au début, un paquet de tâches. Vraiment, je vous dirais, c'est un immense playbook, plusieurs pages. Donc, ça va permettre de tout simplement appliquer les modifications qui sont proposées à la machine. Donc, ça, c'est le fun, parce qu'on a fait cette intégration-là. Là, il n'est toujours pas terminé, c'est vraiment long. En fait, il est dans la plus longue opération, c'est de vérifier le hash du RPM. Donc, il regarde tous les PM installés, si le hash est conforme. Donc, c'est la portion la plus longue. Le reste, ça va aller assez vite. Mais comme le temps avance, c'est pratiquement 1 heure et quart, je vais terminer avec ça. En fait, ça va faire apparaître une série de boutons ici. Sur le bouton, vous allez cliquer et vous allez voir apparaître la possibilité de télécharger soit un Ansible Playbook, soit une recette Puppet ou soit un script bash. Donc, vous avez trois façons possibles de lancer la rémédiation. Ce qui est le fun avec Ansible, c'est la technologie que la plupart d'entre vous utilisez déjà. Et on peut le faire rouler aussi par Tower, puis conserver les rapports générés par Tower aussi. Donc, on juste finir. Tiens, il est pratiquement terminé ici. On est rendu à plusieurs fails. Donc, définitivement, ma machine REL 7 qui est ici n'est pas prête à servir des cartes de crédit. Donc, beaucoup de fails. Il faudrait que je fasse des corrections. Donc, je sais qu'il avait presque fini, là, mais il est encore bloqué ici. Allez, allez. Bref.
Vous comprenez le concept, c'est juste un bouton qui va apparaître, on télécharge le playbook et c'est tout. Donc, ce qui m'a fait pas mal ce que je voulais vous parler aujourd'hui, j'ai enfin fini par passer au travers du contenu REST 7.5 avec vous. J'espère que vous avez apprécié beaucoup de petites démos. Encore une fois, vous pouvez revoir les démonstrations soit sur Twitch et dans quelques jours sur YouTube. Donc, sur ça, je vous souhaite un bon week-end à tous et on se dit dans 2 semaines. Bye bye.